man maa ngi tudd Abdou Kader Fall. Projet bi ñuy bëgg sant tey, projet boo xam ne bii dañ ko tegaleen Sénégal gépp, waaye yàlla dafa dogal ñu war ko doore fii ci Saint Louis. Man la ñu tabb coordonnateur de la zone nord, mais il faut reconnaître que la zone n'étant pas définie, ñun ci li ñu wane ci efficacité ak ci xam li ñu bëgg ba mu am le maximum d' adhérents, loolu mooy limite bi, à la limite. Ndax coopérative essence am mooy une masse critique d' adhérents. Masse critique boobu c' est des milliers d' adhérents yoo xam ne yii bu ñu waree di def ay mensuels de 1000 francs day daal di nekk somme yu am importance ba nga xam ne bii bu ñu buggee toppatoo mbirum kit pour les domestiques, pour les maisons day nekk lu yomb. De Saint Louis et étant en collaboration avec le président Abdou Fall de longue date, il a pensé que je pourrais être l'animateur de la coordination de Saint Louis. Cette coordination a eu la chance d'avoir dans son effectif des hauts cadres comme Hassan Fall, des gens qui sont non seulement compétents par leur formation, par leur cursus respectif, mais surtout par leur engagement. Ça va beaucoup faciliter. De sorte que nous avons démarré en premier les activités de la coopérative à rayonnement national. Nous entendons maintenir cette première position et, ma foi, dans un délai relativement court, faire en sorte que le maximum de ménages saint-louisiens, dans le sens global de région, le maximum de ménages aient une alimentation en solaire, ne serait-ce que pour les points lumineux. Ce n'est pas par cela qu'on va s'arrêter. Après les points lumineux, ça peut être la ventilation, parce qu'il y a quand même des périodes chaudes. Ça peut être la congélation, qui peut être déjà une activité à petit revenu pour les jeunes filles ou les jeunes dames ou bien les messieurs qui sont là pour faire un peu de la production de glace, de la production de crème glacée, etc. Ce n'est pas des choses inutiles. À mon avis, il n'y a pas de ce métier. Moi, je pense que c'est des éléments de facteurs de production qui pourront être ainsi beaucoup amélioré, tant par la production que par le coût. En dehors de la production au bénéfice des ménages, cette production peut également être utilisée pour les deux grandes mamelles de production de la région, que sont l'agriculture par la vallée et la pêche. Autant de mamelles qui, à mon avis, par leur caractère durable, sont beaucoup plus intéressants pour la région que les activités gazières et pétrolières qui sont en vue, sans pour autant les négliger.